Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Walibi-Rhône-Alpes. On va faire une petite visite pour voir comment les choses ont pu avancer ou bouger. Donc aujourd'hui on va faire un peu le tour du parc, voir ce qu'il y a de nouveau. Et notamment... Bon, comme vous pouvez le voir, du coup on a reçu les premiers rails du Hot Racer. Ils ont déjà commencé à installer, alors ils ont installé déjà les launches. On va vous montrer ça dans la vidéo. Et ils ont aussi installé la première partie du Top Hat. Donc on a la montée et la descente. On peut voir aussi qu'il y aura bien un deuxième Top Hat juste au-dessus là. Et ça va être magnifique. D'ailleurs j'ai oublié de préciser, mais évidemment on est avec Aurélien. Bonjour. Donc maintenant je vais vous faire quelques plans GoPro depuis la coccinelle, depuis d'autres points du parc. Quelques plans à la caméra aussi qui sont de façon à voir vraiment les détails au niveau de la gare et du launch. Mais ça va être vraiment beau quoi. Voilà, donc pour débriefer, on se retrouve dans Tam Tam Tour. On va regarder si la végétation a bien poussé ou pas. En tout cas, il y a toujours ces gros tas de bois bien moches pour cacher les fondations si on peut appeler ça des animatroniques. Ouais, c'est animatronique. Le coaster, le Hot Racer, il va être vraiment magnifique. Il n'y a que le Top Hat qu'ils ont commencé à monter au niveau des rails en tout cas. Les poteaux, ils ont mis d'abord les petits poteaux et là ils sont en train de mettre les grands poteaux et on voit qu'il y en aura aussi des magnifiques. Le premier Top Hat, ça fera un Top Hat. Donc après le premier launch qui sera déjà avec une inversion, donc une sorte de stall. Bah en fait tu montes et puis tu vas à la tête à l'envers et tu redescends et... C'est ça, ce sera une sorte de stall en fait. Et on a vu des responsables sur le chantier qui on mettra des bâches de 3 mètres de haut. Qui faisaient le layout avec la main. Bon ça, on n'en dira pas plus parce que voilà, ça reste secret. Il n'y a rien d'officiel donc on va rien dire du tout pour pas décevoir. Ils sont fait crier. En plus ouais, ça c'est un responsable, il est très gentil, à chaque fois on croise, il dit bonjour, il est super gentil. Et il nous a un peu révélé, enfin c'est pas à nous qu'il a révélé, mais on l'a vu révélé à son collègue. Sinon ça a bien repoussé quand même, là on voit que les bords là, qui étaient tout détruits ont commencé à bien prendre... La végétation elle reprend... Voilà c'est ça. Parce que du coup ouais, sur l'ancienne partie du parcours qui a été enlevée en début d'année, il n'y a plus d'eau, genre tout a été asséché et tout. Et du coup ouais, ça serait génial de relier ça à la maison hantée Anaconda, ça serait vraiment cool. Bon c'est pas encore magnifique, c'est sûr que ça n'a pas encore poussé à 100%, on voit vraiment beaucoup trop la terre encore. Les petits arbres qui ont été plantés là, je crois que la dernière fois que j'avais filmé, nous ils étaient pas. De toute façon, notre avis change pas là-dessus. On espère quand même que qu'ils vont améliorer ça, qu'ils vont changer, qu'ils vont remettre des animatronics. Bon, du coup, Tam Tam Tour, ça a pas bien changé. Oui, du coup, voilà la biodiversité. Ouais, il y a quelques insectes, c'est sympa. Il y a des grenouilles, des crapauds, mais ça a pas encore bien repris ses droits, donc c'est dommage. Et faites quelque chose, faites une thématisation plus poussée ou faites ce qu'on a dit là pour Anaconda, faites-nous une maison hantée dans la partie extérieure, dans l'ancienne partie de Tam Tam Tour, ça serait magnifique. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Je propose de faire des toilettes. Ah, ça c'est une très bonne idée. Très bonne idée, c'est parti. En plus c'est noté 5 sur 5. les toilettes Walibi, c'est les meilleures toilettes du monde. Là, tout nouveau, c'est là depuis une petite semaine, ils vont vendre des spirulos, donc c'est des sortes
de frites en spirale du coup. Avec différents goûts. Non, voilà, différents goûts. Donc barbecue, tout comme ça. Ouais. Ça a l'air bon, mais bon, ça fait une semaine qu'ils l'ont installé, c'est toujours pas ouvert, donc je pense qu'ils ont pas fini d'installer l'intérieur ou je sais pas. J'ai jamais vu le lac aussi bas. Oh la vache, ouais. Putain. Ah ouais. J'ai jamais vu aussi bas. L'autre côté, c'est pareil. Ouais, l'autre côté aussi en plus. Ouais, putain, c'est dingue. On se fait quoi? Bah écoute, Timber. On est à côté de Timber, on va se faire Timber. Allez, Timber. Parce que je crois pas qu'à Woodstock ça te dit quelque chose. Si, j'ai envie de faire Woodstock. Ah bon, bah alors on va sur Woodstock. Non, Timber. Il a aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, un excellent rendement. Oh, impressionnant, là, on est à peine rentré, ouais. On est parti. Je me suis assis, on est parti. Ah franchement, on s'est regardé, on s'est dit, attends, il s'est passé quoi là? Ouais, ouais, c'est passé vraiment très vite. Alors ils ont évidemment vérifié les harnais et tout ça, c'est vraiment très rapide. Par contre, le gros truc qui m'énerve, attendez, je finis avec le positif. Il y a une single rider, dans la dernière fois que je l'avais fait, elle n'y était pas encore, voilà. Maintenant, point négatif, c'est qu'ils ont enlevé les casiers. Donc on est obligé de faire Timber avec nos sacs. Ah ça c'est... Et voilà. Genre, alors, peut-être que c'est comme ça qu'ils gagnent en rendement. C'est peut-être comme ça, mais je pense pas qu'ils gagnent énormément de temps. Et surtout, quand t'as des appareils photo qui coûtent cher, c'est pas ouf. Surtout que t'as vraiment pas moyen de poser tes sacs. Genre t'es obligé de le garder avec toi. C'est chiant, voilà. C'est dommage. Moi, par ma part, ça, dans le ressenti de l'attraction en fait, t'es gêné par le sac. Oui, voilà, c'est ça. Parce que du coup, tu as un énorme poids au niveau des pieds, déjà que tu n'as pas énormément de place pour les pieds. Ouais. Et tu as un gros sac entre tes pieds. Et tu dois essayer de faire attention pour le garder quand même, un minimum. Voilà. Ouais. Sinon, le ride dans lui-même, il fait beau, on est bien et tout. Ouais, il fait bon. Il tremble beaucoup. Ah, ça. Mais il reste vraiment sympathique à faire. Voilà. On se dirige vers. Comment ça s'appelle? Bamboo's Rider, voilà, pour voir les effets, parce qu'apparemment, il mouille pas mal. Wow, j'ai un peu serré là. J'ai un peu serré. Je peux plus bouger là.
on ressort du générateur et on n'a même pas crié. Non, non, vraiment pas. Extrait. Bon ben vous connaissez mon avis sur ce coaster, en tout cas je vais pas en dire plus. Changer les trains, point. Et on se dirige vers Mystique. Voilà, on l'a déjà fait une fois ce matin. D'ailleurs j'ai dépassé mes 50 tours de Mystique, c'est trop cool. Voilà, et je vous fais un petit on-ride parce que là il fait beau. C'est la première fois que je crois que je le filme quand il fait vraiment beau. Voilà, donc c'est parti. Bon, on sort de Mystique, il est toujours aussi bien, il est toujours aussi beau, il est toujours aussi chaud. Toujours aussi marrant. Voilà, non, il est super ce Mystique, on est content de l'avoir ici. Hein. Ouais, fierté française. Ah oui, oui. On est sur une journée qui est chaude. Ouais, pas trop, ça va, il y a pire. On est bien, là on est parfait en fait. On va faire les bateaux, les toboggans en bateau, vous comprendrez très bien. Ouais. On va faire la course. Après, on ira voir Théo. Théo qui travaille sur une des attractions. Je vous dis pas laquelle, on verra après. Et comme vous pouvez le voir, on va faire les toboggans là. Gros point négatif évidemment, c'est qu'ils n'ont pas de remontée mécanique. Et qu'on va monter tout ça avec nos bateaux sur le dos. Donc évidemment, d'ailleurs j'ai pas dit, hein, mais on est aussi avec ma copine. Et la pote à ma copine. Et c'est fatigant, je vous promets. Hein. C'est pas si lourd que ça en soi. Mais merde, regardez, faut qu'on se baisse pour passer. Hop. Allez, on se retrouve en haut. Ouais, ce qui est super cool, c'est quoi, il y a un système de levage automatique. Au même Voilà, on part pile en même temps. Ce que je savais pas, c'est que ça mouille autant. La GoPro n'est pas étanche parce que j'ai un kit. C'est vrai qu'il est tout mouillé comme moi. J'ai un kit GoPro spécial pour le micro et du coup elle est pas étanche alors que de base elle l'est. Ouais. Et oui, bon, il a fini premier. Alors c'était moi le premier tout le long. Il m'a dépassé sur la ligne d'arrivée. Ah ouais, il est arrivé, je t'ai dépassé. Comme un Mario Kart là, il m'a balancé la carapace. J'ai pris la banane sec qu'il y avait là-bas là. J'ai voilà. Là on se dirige vers les bouées parce qu'il y a que 25 minutes d'attente. Pour les bouées, c'est pas beaucoup. Normalement. Allez, ouais. Ouais, allez hop, ça c'est fait. Bien, normalement il est censé avoir des effets. Mais ça bouille vraiment. Mais putain, j'avais pas fait l'effet. J'ai fait chier, regarde. Le pire c'est qu'ils ont mis un jeu. C'est nouveau ça. Oui. Mais c'est, bah, au moins c'est bien. J'ai même des plantes qui poussent. Pour ton dernier aussi. Tu prends des petites gouttes. Non, c'est bon, ouais. T'as un poids chili, c'est bien. On ressort de Golden River. Ouais. Gold River d'ailleurs, qui est toujours pas ouf. En fait, il mouille pas assez et il est trop court. Mais il y a un plus, enfin, il y a un effort qui a été fait. Voilà. C'est qu'il y a un effet en plus qui a été rajouté, que je m'y attendais pas du tout en plus. Voilà. Au niveau du Golden Burger, ils ont mis un arrosage automatique pour les plantes en fait. Mais ça fait très bien le taf, ça arrose vraiment bien.
Et voilà, on est des petites plantes, on se fait arroser. Non, des jolies plantes. Super bien, l'effet. Il faudrait juste qu'ils en rajoutent tout le long du parcours des effets. Voilà. Ça serait génial. Parce qu'il y a vraiment que ça qui mouille réellement. Et rethématisez-moi cette grotte, quoi. C'est pas possible de faire un truc. Il y a des toiles d'araignée, il y a de la végétation qui pousse. C'est pas beau. Faites-moi cette grotte là. Refaites-moi ça avec des LED et tout, ça serait beau. Ah, avec des LED. Allez, on va dire bonjour à Théo. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, je voudrais essayer cette attraction s'il vous plaît. Je fais partie de la tube. Voilà. C'est la tube. Je vais voir si elle est aux normes. Bon bah voilà, on sort de Dock and Roll, meilleur opérateur du parc. Bien sûr. Non, ça tourne vite, c'est pas... Ça fait... Après on s'est mis à la pire place qu'il y avait. Ouais, on était à l'ombre, mais on avait la pire place. On s'est mis à l'ombre parce qu'il fait chaud, mais si tu te mets au bout, c'est plus cool. Voilà. Bon les amis, je vous laisse ici, voilà, sur des magnifiques photos du chantier. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, très certainement sur Vulcania, du coup, pour la vidéo que je dois sortir depuis un moment. Elle est en train d'être montée, mais elle est bientôt prête. Soit de nouveau dans les nocturnes de Walibi. Ce sera vraiment pour essayer Walibi de nuit et aussi pour voir du coup l'avancée de ce chantier. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous avez aimé et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.